Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas au bord de l'eau, je vais vous présenter en fait mes nouveautés 2024 pour la pêche de la truite, la pêche de la fario. Je vais énormément pêcher cette année ce poisson, je vais énormément le viser. J'ai des nouveaux spots à vous montrer, j'ai des rivières incroyables sur lesquelles je vais aller pêcher un peu partout en France, donc je suis super heureux en fait de vous présenter ce nouveau matériel. Alors pour savoir, il n'y a pas de YouTube Money, etc. C'est moi qui me suis tout acheté, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de marque qui me suivent, etc. C'est avec mes propres sous. Et en fait, moi le principe c'est d'avoir du produit qualitatif, mais sans y mettre trop d'argent. Je ne peux pas commencer à me dire, je vais mettre du 25 euros par l'heure, je vais mettre du 300 ou 400 plaques dans une canne. Pour moi, ça, c'est pas possible. Donc, comme vous, comme la plupart des gens, j'essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en fait ce que j'ai trouvé, ce avec quoi je vais pêcher toute l'année, en plus de ce que j'ai déjà. Donc ça, vous le verrez notamment tout au long de l'année sur mes vidéos. Mais aujourd'hui, je vous montre vraiment mes nouveautés. Voilà, c'est parti pour présentation des nouveautés 2024, pêche de la truite. On va commencer simplement sur un produit très simple et on va faire les différents produits que j'ai achetés pour l'ouverture notamment. Et on terminera sur les leurres, le plus intéressant, ce que vous attendez tous. Et je vais commencer avec quelque chose de tout simple qui semble bidon, mais qui est très, très important pour la pêche de la truite, c'est la tresse, tout simplement. Et cette année-là, je vais pêcher pour la première fois la truite. Avant, j'étais tout le temps avec du Daiwa. Mais je trouve en fait tout simplement que le rapport qualité-prix n'était pas non plus exceptionnel. Et j'ai pêché toute l'année dernière avec la marque Caperlan, leur tresse pour tout ce qui est carnassier. Et j'ai eu aucun problème. J'ai eu zéro perruque. J'ai eu zéro casse aussi. Et je crois que c'est la première année depuis que je pêche que je n'ai pas de problème sur une tresse. Ce produit me convient très bien, ça coûte 18 euros. J'ai pas besoin d'y mettre 25 ou 30 balles. Donc cette année, je pêche avec et je l'ai pris de couleur grise. En fait, je vais essayer de prendre quelque chose qui est, même si c'est moins visible que le vert chartreux, le orange, le jaune, etc. Pour moi, je vais gagner en discrétion. Et c'est ça qui m'importe sur la pêche de la truite. Le second, en fait, c'était arrivé l'année dernière, mais je m'en suis pas encore servi une seule fois. Je me suis dit que j'allais le faire l'année prochaine à l'ouverture de la truite. Je me le gardais pour ce moment-là. Un bijou. Un bijou, un réel bijou, une épuisette, une nouvelle épuisette, c'est de la marque Daiwa, Silver Creek, tout en bois. Elle est juste sublime, c'est un produit magnifique d'une finition incroyable. Le bois verni avec les nervures est tout simplement incroyable. Le filet en fait qui est forcément protégé par, vous savez, tout ce qui est plastique, silicone ou je sais pas quoi, pour éviter tout simplement en fait que les hameçons se piquent dedans. Quel enfer dans une épuisette où il n'y a pas ça. Et en fait les hameçons se piquent dedans, on est obligé de couper l'épuisette, ce qui m'est arrivé plusieurs fois l'année dernière sur une épuisette, j'ai dû faire des trous dans tous les sens. Sauf qu'un jour, j'ai perdu un black bass qui est passé à travers à force de faire des coupures. Donc indispensable, notamment pour la pêche de la truite, un bijou magnifique. Ensuite, on va partir sur ce qui est arrivé en dernier. C'est arrivé hier. Petite commande effectuée hier. Ma nouvelle canne à pêche. Mon petit bijou de chez Gunky. Hop, je vais sortir que le premier sion. La Gunky Dots. Gunky Dots, pour vous lire les caractéristiques, elle fait 2,10 m de mémoire, je vais la reprendre, pas vous dire de bêtises, 2,10 m c'est ça, 3,12 m pour pêcher les moyennes et grandes rivières, magnifique, finition incroyable, tout en carbone avec le liège, vraiment très qualitatif, un talon superbe, bois précieux ici, on repart sur du liège, directement avec des finitions que je vous montrerai, je vous fais des petites prises magnifiques. Ici, on voit le dot marqué comme la couleur de la fario. Je trouve que le petit clin d'œil est excellent. Et il me tarde vraiment de la tester au bord de l'eau. Elle est superbe. Elle correspond vraiment à ce que j'attends d'une canne truite. Un petit bijou, je suis très heureux. Et je trouve qu'elle va très très bien en plus avec l'épuisette. Oula, une grêle de fou. Oula, une tempête de grêle. On enchaîne directement avec ce qu'on attend tous, bien sûr, pour l'ouverture de la truite. C'est les nouveaux leurres. Et le nouveau leurre, cette année, notamment là où je vais aller pêcher, je vais pêcher un petit peu avec du leurre souple pour compléter ma boîte de leurre dur. Parce que des fois, les truites, elles veulent de la cuillère, des fois, elles veulent du minnow, et des fois, ça va être le leurre souple qui va faire toute la différence. Et il est indispensable que j'en prenne une boîte. Et j'ai pris les Yubari de chez Caperlan. Ils ont sorti un superbe produit.
Comme vous le voyez, la finition, elle est juste incroyable. La finition, elle est incroyable. Elle est imbibée d'attractant. En plus, ce qui est pour ce qui est là, de mémoire, c'est 8,90€. Ok, c'est pas donné. Mais quand on voit les autres marques en leur soupe, c'est quand même encore plus cher. Et en fait, ils ont aussi mis en fait une protection pour rentrer les leurres, vous savez, comme des cales, etc. Et pour cette gamme de prix, je trouve ça génial. Ça fait la petite diff. On peut le garder dedans, le fermer avec le zip parce qu'elle est attractant, le ranger dans sa petite pochette et le sortir quand on veut le monter sur l'hameçon. Elle est vraiment magnifique. Je l'ai prise d'une couleur très naturelle. Limite un petit peu transparente comme vraiment la vraie crevette, la jeune crevette, etc. Et je pense que ça va faire plaisir à la truite. Et je l'ai couplé directement avec les têtes plombées, pareil de chez Caperlan, 2 grammes, vraiment histoire de faire, vous savez, des dérives où on laisse descendre le leurre et on les fait juste faire on les imprime des petites actions comme ça de tressautement, têtes plombées de chaque couleur. Peut-être qu'en changeant de couleur effectivement durant la session, c'est là aussi on peut trouver ce qui peut faire la différence ce jour-là sur la truite. En 2 grammes, les têtes plombées sont très propres avec le petit œillet, etc. Super. Voilà, petit combo. J'ai complété ma boîte à leurre avec des cuillères ondulantes. C'est une petite cuillère de chez Gunky en 2,8 g. Et ensuite, j'ai pris 2 cuillères de chez Caperlan que je vous montre là, que vous voyez plus précisément. Ils ont sorti des cuillères ondulantes cette année qui sont magnifiques, très très bien finies, directement montées avec hameçon simple, forcément, de superbes coloris. J'ai pris ces deux-là, vraiment de coloris un peu opposés, qui restent très naturels et qui vont vraiment aller, je pense, que dans les cours d'eau et dans les biotopes où je veux aller. Et le rapport qualité-prix, c'est pareil chez Caperlan, le rapport qualité-prix est excellent, excellent. À quel moment on trouve des cuillères notre marque à ce prix-là? Franchement, ils font des efforts considérables au niveau du développement, de la qualité de leurs produits et surtout du tarif. En fait, ça reste super abordable pour se faire une boîte de leurre sans se faire déchirer le portefeuille. Donc, je suis très heureux d'avoir ces 2 cuillères ondulantes de chez Caperlan. Et ensuite, j'ai complété avec des cuillères que j'ai découvert l'année dernière. Des cuillères en fait tout simplement classiques. Il y a des tonnerres de malades qui viennent d'arriver, je ne sais pas si vous l'entendez. Chez Daiwa, les Silver Creek qui ont été magnifiques, qui m'ont rapporté de beaux poissons l'année dernière, qui ont souvent fait la différence par rapport à tous les autres leurres. Vraiment, j'ai pris 4 couleurs différentes avec 3 grammages. J'ai pris la 4 grammes, la 5 grammes et la 6 grammes directement, dans des couleurs un peu plus directement flashy ou très naturelles comme celle-ci, avec des différences de couleurs de palette, etc. Et le tout monté sur, j'ai changé, il y avait des triples montés sur Assist Hook chez des Caperlan aussi, qui a ardillon, mais je vais aplatir, écraser les ardillons avant l'ouverture. Puisque là où j'irai, de toute façon, on n'a pas droit de pêcher avec ardillon, donc je ferai avec toute l'année et c'est une très bonne chose. Voilà, de superbes cuillères, vraiment lestées avec la couleur et les petits points sur le lest au milieu qui permet de trouver l'équilibre, qui est juste. Elles sont superbes et elles nagent superbement bien. Et le prix, pareil, on est sur 4,50€, 5€ maximum. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial de pouvoir s'équiper à ce prix-là. On va partir sur les plus gros leurres. J'ai pris un leurre sinking de chez Caperlan. Vraiment un plus gros leurre comme ça directement pour pouvoir pêcher, cibler des poissons plus gros, des zones où vraiment plus profondes pour pouvoir aller pêcher plus creux. Directement un seul couleur, je pense que c'est quelque chose comme le Véron, quelque chose comme ça. Très beau leurre que j'ai monté sur hameçon simple sans ardillon directement. Très beau leurre de chez Caperlan, comme d'hab, rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai pris deux leurres comme ça, d'une taille aussi un peu plus grosse. Et c'est deux leurres suspending, montés sur hameçon Assist Hook, où je vais aussi écraser les ardillons. Et en fait, ces deux leurres sont suspending. Ça va vraiment compléter en fait, le reste de la boîte où j'ai du sinking pour pouvoir pêcher plus tranquillement, pour pouvoir rester sur des zones plus précises et pour pouvoir faire de vraies pauses sans aller au fond et m'accrocher. Voilà, pour compléter ma gamme de leurres. Ils sont superbes. Franchement, les deux couleurs sont superbes. Celle-ci un peu fario, celui-ci un côté plus naturel. Poisson fourrage, super. Ensuite, on passe sur... là, je suis parti sur une autre marque qui fait aussi quelque chose, un rapport qualité-prix qui est excellent. C'est Gunky. J'avais pêché une fois avec ce leurre-là et je l'ai trouvé excellent. Et quand je vois le tarif, on est sur du 9,50€ de base. Pour tout vous dire, en promotion, je l'ai trouvé. J'ai trouvé des leurres à 7,50€. Pareil. Des leurres truites à 7,50€, c'est à peu près les prix de Decathlon. Et ils font des couleurs juste
dingue. J'ai pris deux tailles différentes pour vous montrer. Ça, je crois que c'est 54 et 50, je vous le marque plus précisément, que j'ai monté aussi avec des assist hook, mais des couleurs juste fabuleuses, que ce soit la truite Fario, le Veyron, Gold Veyron, le Veyron classique, les couleurs sont superbes, du très naturel à certains flashy, mais franchement, la finition est superbe. Et en fait, c'est aussi des leurres où, quand on pêche avec, si je le perds, ben, j'ai perdu 7,59€, j'ai pas perdu 20 balles. Quand je perds 20 balles, déjà j'ai mal, si j'en perds 2 dans la journée, je perds 40 balles, t'en perds 3, tu perds 60, c'est très très dur. Et puis en fait, tu pêches différemment aussi. Quand tu pêches avec des leurres où si tu le perds, c'est pas grave, tu vas mieux pêcher. Tu vas aller dans des endroits où tu ne serais pas allé d'habitude, tu serais allé débusquer des poissons, voire du très gros poisson que tu n'aurais pas sollicité normalement. Donc pêcher avec ce type d'leurre, pour moi, ben, c'est une très grosse différence dans ta manière de pêcher et dans les spots que tu pêches et ta manière d'aborder le spot. De ne pas le jouer trop sécure, voilà, d'être loin des obstacles, d'avoir peur de ce qu'il y a sous l'eau, etc. Grande différence, très très grande différence. J'ai un Foxy Minnow de chez Sakura, très beau leurre, je l'ai pris vraiment une couleur naturelle. J'adore les couleurs naturelles. J'ai toujours voilà, 2-3 leurres flashy pour les débuts de journée ou pour agresser un peu plus le poisson ou en fin de journée lorsqu'il y a une baisse de la luminosité ou si l'eau peut être vraiment teintée en début d'année s'il a beaucoup plu à l'ouverture, etc. Mais la plupart du temps, je suis très axé sur le naturel. Et cette couleur-là, vraiment, elle est superbe. Ça se rapproche au mieux de la réalité. Je trouve ce poisson et cette marque qui fait de très beaux leurres, pareil sur un prix vachement intéressant, compétitif. Et ensuite, plus petite taille, directement un petit Savage Gear comme ça, fluo, flashy, orangé, qui fait du 45, donc très petite taille, mais très avec des flancs très plats, qui va vraiment descendre dans la couche d'eau, qui peut se lancer assez loin, avec des flancs très plats, il devrait quand même papillonner énormément, très intéressant sur du petit leurre, sur du petit spot, sur lorsque les truites sont un peu moins grosses ou qu'elles veulent des bouchées plus petites à ce moment-là. Et pareil, du coup, sur le Caperlan, la petite taille, comme celui-ci, très joli, très bon rapport qualité-prix. Pareil, tout est monté en option simple sans ardillon. Voilà pour compléter ma gamme de leurres. La boîte est toute nouvelle cette année, j'ai tout renouvelé. Et ensuite, les waders. Cette année, j'ai dû faire un changement de waders. Et pour vous expliquer la problématique, je mesure 1m95, 100 kg, et je mesure à peu près en pointure 48-49 en sport. Donc on va vous dire, c'est très compliqué pour moi de trouver une marque. La seule marque qui faisait ma taille vraiment et qui séparait la longueur de la largeur avec la pointure, c'était une marque américaine, Ogdman. Elle n'existe plus, introuvable. J'ai appelé toutes les marques de waders, à part faire des waders à 1000€ pour avoir ma taille, je ne pouvais pas trouver. Donc j'ai dû partir. En fait, j'avais des waders avant à chaussons néoprène avec chaussures à côté. Et en fait, j'ai dû m'adapter, sachant que je n'ai trouvé aucune marque qui faisait ma taille. Et la seule marque qui m'a sauvé, c'est Decathlon Caperlan qui m'ont sauvé la mise avec ces waders-là. J'ai pu les essayer. En plus, les bottes sont assez grandes. Donc, si vous avez des grandes pointures, vous êtes grand comme moi, n'hésitez pas à les essayer. Très bonne surprise. Le confort est excellent. J'ai été surpris avec les bottes d'avoir un tel confort, une semelle très épaisse et qui a l'air d'énormément adhérer, un peu comme les chaussures, à part avec les chaussures de néoprène, des chaussures hyper adhérentes, très confort, très léger. Voilà, j'ai une excellente surprise. Très heureux d'avoir trouvé ces waders Decathlon qui sont vraiment plus très sympas. Pas flashy comme gêne, tu peux vraiment te fondre effectivement dans les rochers, les paysages, etc. En gris foncé, neutre, tout ce que j'aime avec petite poche intérieure, tout ce qui va avec. Ça fait très, très qualitatif, très heureux. Rapport qualité-prix 140€, 150€. On trouve pas mieux. On trouve pas mieux en rapport qualité-prix, très heureux. Et franchement, je peux vous dire qu'il me tarde l'ouverture. Je vais vous amener dans un endroit où il y a des truites, mais exceptionnel. J'irai après l'ouverture, normalement le lundi, pour éviter qu'il y ait trop de monde, vous faire une super vidéo, faire des superbes plans et prendre de super poissons si possible. Donc abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. Ciao les amis.